Salut les cuistots, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, légumes d'été, légumes du soleil et naturellement une recette de ratatouille. Je l'ai réalisée au multicuiseur, à l'ultracuiseur Lidl. Naturellement, n'importe quel autre multicuiseur ou casserole fera l'affaire, je vous explique tout. Voilà donc tout ce dont vous aurez besoin pour cette recette. Deux aubergines, trois courgettes, un poivron rouge, de l'ail, j'ai pris de l'oignon nouveau. Et comme je trouve que les tomates ne sont franchement pas top encore en ce moment, j'ai pris une petite boîte de concentré. On commence naturellement à mettre en route le multicuiseur en mode saisir. Dans la cuve, vous allez mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous ajoutez ensuite votre oignon émincé. Donc comme c'est de l'oignon nouveau pour moi, j'ai mis le blanc et le vert, mais j'ai conservé une partie du vert pour la fin de la recette. Naturellement, vous pouvez mettre de l'oignon blanc, de l'oignon rouge, tout fera l'affaire. On remue jusqu'à ce qu'il commence à dorer un petit peu. On ajoute ensuite le poivron qu'on a coupé en morceaux d'un bon centimètre de côté environ. On va remuer pendant 2 à 3 minutes. Vous incorporez ensuite l'aubergine que vous avez coupée en morceaux également. Et là, c'est parti, on remue et on laisse cuire de nouveau 2 à 3 minutes. Surtout, vous pensez à remuer régulièrement. On ajoute enfin nos courgettes et c'est reparti. On remue et on laisse de nouveau cuire 2 à 3 minutes. Pendant ce temps, vous allez diluer votre concentré de tomate dans 10 cl d'eau et vous l'ajoutez sur vos légumes. On n'oublie pas de rajouter l'ail qu'on a coupé en morceaux et là je mets également le vert de mes oignons nouveaux. Il ne vous reste plus qu'à saler et à poivrer. Et moi, parce que j'aime bien, je rajoute toujours un petit peu de paprika fumé. On remue une dernière fois. On ferme le multicuiseur. On vérifie que la soupape est bien engagée. On arrête le mode saisir. On sélectionne le mode vapeur légumes. On ramène le temps de cuisson à 6 minutes et c'est parti. Quand le temps de cuisson est écoulé, il ne reste plus qu'à lâcher la vapeur du multicuiseur et voilà ce que vous allez découvrir. Naturellement, si vous aimez, vous pouvez rajouter du thym, du basilic, les herbes que vous souhaitez, les herbes que vous préférez. Moi, c'était ma version de la ratatouille. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Merci d'avoir partagé ce moment de cuisine avec moi. Et puis, comme à chaque fois, je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Je vous fais de gros bisous sucrés à tous.